Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très spéciale puisque je vais lancer un nouveau concept sur la chaîne et ça s'appelle Config Wars. L'objectif de cette vidéo et de cette nouvelle série, si ça vous plaît, ça va être en fait de vous envoyer une partie d'une config gamer, ça peut être la moitié, ça peut être des composants, mais en tout cas elle est en partenariat, en tout cas pour ce premier épisode, avec Deepcool. Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est de vous envoyer des composants pour créer votre propre config gamer, histoire que la config que vous allez créer vous revient moins cher. Je vais pas vous envoyer tous les composants d'une config, sinon ça servirait à rien du tout, mais du coup je vais vous en envoyer une partie, je vous laisse compléter le reste, et ensuite vous allez passer sur la chaîne avec votre config. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner, entre guillemets, pour ce premier épisode? Donc, encore une fois, un grand merci à Deepcool d'avoir participé à cette nouvelle série. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, ils organisent souvent des petits concours. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, le premier lot que j'enverrai à la personne qui sera choisie, c'est un boîtier Deepcool qui vient tout juste de sortir. Il s'appelle le Earl Case. Donc, c'est un boîtier RGB. Il est franchement magnifique et plutôt massif. En plus, vous avez une sortie 2.0, une sortie 3.0. Comme je l'ai dit, il a un design vraiment sympa. Plus, il a une grande vitre teintée en vert trempé. En plus de ce boîtier, vous aurez un ventilateur LED, comme vous pouvez le voir en fond, ça change de couleur. Donc c'est un ventilateur qui s'adapte parfaitement à la config, donc c'est aussi offert avec le boîtier. Et en plus de ça, vous avez aussi une grosse alimentation, la DQ550 de chez Deepcool. Donc en tout, vous avez environ pour 150-170 € de matos. À vous ensuite de prendre le reste, donc la RAM, la carte mère, etc. etc. Alors comment on fait pour participer à ce premier épisode et puis quelles sont les règles? Alors pour participer à cet épisode, du coup je voulais pas le faire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux parce que sinon ça serait un peu le foutoir. Donc j'ai un site internet que je vous avais présenté très rapidement il y a assez longtemps sur la chaîne, mais là du coup j'ai vraiment changé tout le design. Donc pour toutes les personnes qui connaissent pas le site, donc l'objectif c'est tout simplement de vous aider à trouver le ou les bons produits. Donc il vous suffit en fait de faire votre demande, de mettre votre prénom, votre adresse mail, de dire en fait ce que vous cherchez, votre budget, etc. etc. Et ensuite moi je vous répondrai avec directement le lien des meilleurs produits en fonction de votre demande. Donc c'est totalement gratuit, il y a déjà plus de 300 abonnés qui ont utilisé les services, je vous en ai mis quelques-uns en bas. C'est tous les petits exemples que j'ai mis, c'est vraiment des vraies personnes qui cherchaient des vrais produits. Le concours va se dérouler plus précisément sur le forum du site, donc j'ai créé une catégorie configoire, et dans cette catégorie configoire j'ai créé un post, donc configoire 1 Earl Case plus alimentation. Il suffit tout simplement de cliquer dessus et là boum, j'ai mis forcément quelles sont les règles, comment participer, etc. etc. Donc je vous passe le début puisque je vous l'ai déjà fait en vidéo, mais quelles sont les règles? Alors c'est très important parce que finalement j'ai envoyé pas mal de matos à une personne et il faut finalement respecter entre guillemets les règles du jeu pour que tout soit nickel pour tout le monde. Donc 1, il faut avoir envie de faire une config gamer ou être en train de faire une config. Donc vraiment voilà, si vous voulez participer et peut-être recevoir les composants, faut vraiment soit avoir déjà quelques composants et il vous manque le boîtier, etc. etc. ou alors vous voulez vraiment faire une config et au moins ça va vous aider à bien démarrer. Il faut que la config que vous allez faire soit terminée dans les 2 mois après avoir reçu les produits. Donc si vous êtes sélectionné et que Deepcool vous envoie les composants qu'on a vu dans cette vidéo, en fait vous avez 2 mois pour terminer la config, puisque du coup ensuite on va passer au point 3, faudrait se filmer, ou en tout cas filmer le résultat final. Vous êtes vraiment pas obligé de montrer vos têtes, hein, pas du tout, c'est juste filmer la config finale, comme ça après je ferai une vidéo, qu'est-ce qui s'est passé après, pour montrer le résultat final, expliquer les choix que vous avez fait, etc. etc. Et si vous pouvez vous filmer même en train de faire la config, après vous inquiétez pas, moi je m'occuperai du montage, faut juste que la qualité de la caméra soit bonne, que la luminosité soit bonne, etc. etc. Si vous pouvez pas filmer, vous pouvez au moins prendre des photos étape par étape, comme ça moi après je m'occuperai du montage. Bien sûr en point 4, il faut accepter de passer sur la chaîne, et si vous êtes mineur, c'est important, bien demander l'autorisation à ses parents. Donc pour participer, il suffit tout simplement de répondre à ce post que j'ai créé en disant tout simplement qu'est-ce que vous allez faire, dans quelle situation vous êtes, est-ce que vous avez déjà des composants, est-ce que vous allez acheter des composants, etc. etc. Qu'est-ce que vous allez faire de cette config, quelles idées vous avez
avez, etc. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire la config dans les 2 mois après avoir reçu les composants. Comment ça va se passer pour le tirage au sort? Moi, quand vous allez répondre à mon post, en fait, je vais sélectionner 5 personnes que je vais contacter par mail ou par n'importe quel moyen. Et en fait, je vais essayer de discuter avec ces personnes-là pour justement savoir si elles sont vraiment motivées, qu'est-ce qu'elles vont vraiment faire avec, etc., etc. Parce que je veux pas envoyer des composants à une personne qui au final ne va pas faire la config, alors qu'il y a sûrement des gens qui vont vraiment faire la config. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de cool, de vous faire kiffer, de vous aider vraiment à faire des configs. Si ce premier épisode se passe bien, j'en ferai d'autres, etc., etc. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de vous aider, donc ça sert à rien de participer si vous avez pas envie de faire la config, ou c'est pas forcément une envie, mais peut-être que vous avez pas encore les moyens d'acheter les autres composants, donc laissez la place aux autres. Donc c'est pour ça que je vais prendre quand même le temps de parler avec les 5 personnes que j'aurai sélectionnées. Et dans les 5 personnes, je choisirai une pour lui envoyer les composants. En tout cas, ça sera Deepcool qui lui enverra directement les composants chez lui. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main. Le site sera bien sûr dans la description. Si vous avez la moindre question, je suis bien sûr disponible sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, à participer sur le forum, il y a plein d'autres catégories. C'est vraiment un site que j'ai fait pour vous aussi, pour vous aider. Et puis voilà, essayer de créer aussi une communauté un peu ailleurs que sur YouTube, pour faire aussi un truc différent et un truc stylé. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.